Bien le bonjour à tous, c'est Cameron de Lenoscore Page. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo unboxing et une vidéo où je vais annoncer le concours. Donc le concours je le fais à la fin, là je vous explique comment ça va se passer. Ça va être plutôt rapide. Et en attendant, j'ai reçu... Voilà. Voici un colis qui vient de chez Unlidit, du coup bien évidemment, que j'ai acheté avec les bons d'achat, du coup avec le code promo. Mais t'inquiète, j'ai pas tout claqué parce que du coup le concours, je vais faire gagner 100 euros. Enfin, on va faire gagner 100 euros. Donc on n'a pas fait nos charros, on vous en a laissé quand même. Enfin, on s'est dit, vas-y, du au premier coup, on fait gagner 220 euros. Si après on fait gagner 30 euros, ça va pas le faire. Mais vous avez été masse à commander, les gars. Du coup, ça fait énormément plaisir parce que du coup, on peut s'acheter des pièces. Maxence, il a éclaté sa roue arrière, c'est pour ça qu'il roule pas et qu'il est pas dans les vidéos. Parce qu'il ne peut pas... Enfin si, il est dans la dernière vidéo, mais sauf que... Enfin, il n'a pas de BMX. Parce que sa roue arrière est éclatée. Du coup, normalement, j'en ai commandé une. Enfin, je vais voir ce qu'il y a dans le colis. Sur le colis, je vais essayer de pas tout bazarder parce que... On sait jamais ce qui peut arriver. Donc, je vais le garder au cas où. Alors maintenant, on va pouvoir ouvrir ce jeune carton. Donc j'ai commandé normalement une roue arrière primo, donc une roue arrière complète. Alors j'ai plus le fricot et j'ai remis du coup la petite roue arrière de base, la salle, tu vois. Et vas-y, ça me fait chier. J'ai voulu prendre une vraie bonne cassette qui a du répondant, qui est agressive, you know. Du coup, ben, j'ai pris une primo. En fait, je voulais prendre une Colony Wasp pour dédicace à mon ami Damien qui avait ce moyeu-là qui fait extrêmement beaucoup de bruit. Et toi-même, tu sais à quel point c'est bien les moyeux qui font plein de bruit. Enfin, tu sais, t'as deux clans, tu vois. T'as les clans fricots qui aiment pas le bruit. Et t'as la team noyeux bourrin qui fait masse de bruit. Du coup, je voulais la Colony Wasp, mais elle y était plus. Et il y avait ce roux primo qui venait de sortir. Donc, normalement, c'est les mêmes cliquets. Le gars d'Unlidit m'a dit, du coup, bah normalement, ça devrait aller. Donc là, il s'agit d'une jante de chez Cinéma. Bah, la jante de Maxence. Du coup, on va la sortir, tu vois. De toute manière, c'est moi qui l'ai dit. Donc, Alors, Cinéma. Oh, il y a un petit emballage, regarde. Regarde, c'est bien emballé. Putain, ouais, il y a genre une chaussette, mec. Il y a une chaussette de roue. C'est incroyable. Franchement, mec, je te jure, tu vas me prendre pour un gros geek, tu vois. Mais genre, je sens de la solidité, tu vois. Bon, écoute, nique sa mère. Du coup, je lui donnerai ben, aujourd'hui ou demain. Chronopost. Pourquoi il y a un sachet Chronopost? Mec, je reçois jamais des gros. Enfin, si, je reçois des colis, mais il n'y a jamais ça. Wow, mec! Il y a plein de sticks, gros. Théma, mon gars. Tous les sticks. Théma, il est massif. Ah, mais oui, en même temps, je leur ai demandé. Leur livraison, bah, du coup, il y a les détails de la livraison. Putain, mec, il y en a masse, gros. C'est vrai que j'avais dit, ouais, je pourrais avoir des sticks et tout. Bah, mon gars, il a pas déconné, hein. Tiens, il a mis le paquet, gros. Donc, je crois qu'il en reste encore. Là, il y a plein de petits sticks Unlidit. Du coup, je sais pas si tu vois bien. Attends, j'ai tourné un peu le truc à gauche. Voilà, mais je pense que je réaugmenterai la lumière au montage. Du coup, voilà, il y a masse de stickers. Merci beaucoup. PE. Du coup, ça t'est carrément plaise. Donc voilà, attends, je vais les remettre dans le sachet pour éviter de tout perdre. Je vais ouvrir la roue en dernier, parce que c'est plus important. Ah, du coup, il y a des nouvelles poignées. Des Strangers. Ils sont mauves translucides, mec. Je sais pas si tu vois bien, je vais zoomer un peu. Voilà. Alors, c'est des poignées Stranger. En fait, mec, les Audi XL, je les recommande pas. Parce qu'elles sont extrêmement fines et dures, gros. Et j'ai clairement mal aux doigts, je peux plus tenir mon bidon correctement, j'ai extrêmement... Putain, elles ont l'air bien molles. Mec, elles sont stylées de ouf, regarde, à la lumière, genre. Attends, je vois mes rideaux. Alors, regarde. Du coup, elles sont translucides. Je sais pas si tu vois bien, mais c'est clairement stylé. Du coup, ouais, il y a les petits embouts, mais bon, je vais les virer parce que les embouts, j'en ai pas besoin. Étant donné que j'ai des embouts en fer, et c'est bien solide. Du coup, j'ai pris deux paires de poignées, normalement. Voilà. Et là, du coup, il y a des primos. Oh, mec, celles-ci, elles ont l'air épaisses de ouf. Parce que je lui ai dit, tu vois, le gars d'Unlidit, j'ai envoyé, t'es sur le compte Insta, je lui ai dit, file-moi les poignées, celles qui sont épaisses de ouf, tu vois, je veux de l'épaisseur. Du coup, il m'a dit, prends les primos Cali. Et mec, elles ont l'air massives. Putain, elles sont molles, hein. T'es mal, gros. Enfin, genre, elles sont molles, quoi, tu vois, c'est des poignées molles. Tu vois, j'ai coupé les longues poignées, du coup là c'est des poignées longues mais pas trop. Tu vois. Elles sont plutôt pas mal, parce que moi les poignées je les utilise avec les grosses mains. Du coup voilà. Bon mec c'est ouf, j'ai la fenêtre qui est ouverte sur moi, mec, il fait tellement chaud dehors, c'est ouf. Le plus important, mec. Alors là normalement, le moyeu il va faire un bruit de ouf.
En fait, c'est vraiment juste pour ça que je l'ai prise. Alors. Voilà. Alors, il y a des petits guards dessus. Il y a des trucs, tu sais, que t'as sur les BMX nuls, là, tu sais, quand tu débutes. Alors, mon gars, voici la roue. Tu vois, je suis content d'avoir la roue, mais je viens de penser au fait que je vais devoir démonter le pneu. Et bon, bref, écoutons le moyeu. Ouais, mec, c'est trop bizarre. Ouais, mec, c'est hyper bizarre. Genre, c'est... Écoute, gros. Genre, on dirait un avion, mec. Entends-tu? C'est hyper stylé. Le truc, il faudrait que j'enlève les guards pour bien le faire fort. Et du coup, le moyeu, je vais le dégraisser. Je sais pas s'il l'a fait, si là, il est déjà dégraissé. Mais... Voilà. Du coup, c'est des axes femelles. Et la roue, c'est une primo... Je sais pas, c'est une primo remix. Avec une méga jante de clasher. Alors en fait mec, le concours, je t'explique, du coup ça va se passer comme la dernière fois, il y a 100€ à gagner de bons d'achat. Du coup c'est quand même pas mal, tu vois, on va pas cracher dessus entre nous, tu vois, on peut gagner 100€ de ce que tu veux sur un edit, tu vois, il y aura le tirage au sort et tu gagnes ce que tu veux. Et du coup voilà, il y a 100€ à gagner, ça fait plaisir. Donc pour participer mec, il va falloir aller sur le compte Insta Lennon. Du coup il y a une publication qui va apparaître. En même temps que la vidéo sort, tu vois, du coup, à 18h30, normalement, sur le compte Lennon's Garbage que tu vois là. Et dessus, bah, il y aura écrit tout ce qu'il faut faire. Normalement, il va falloir s'abonner à Unleaded, s'abonner à Lennon, et t'identifier 4 potes en commentaire. Du coup, plus il y aura de monde, mieux ce sera. Identifier tous tes postos, et soyez un max. La dernière fois, les gars, on a été environ 1025 sur... Il y a eu genre à peu près 1000 et quelques participants. Du coup, là, si vous pouvez faire un petit truc cool, certes, il n'y a pas 220€ à gagner, mais vas-y, c'est bon. On peut au moins essayer d'avoir 500 personnes sur le truc, tu vois, ce serait sympathique. Du coup, voilà, c'était tout pour la vidéo. Désolé s'il n'y a pas eu de tuto, mais je préfère annoncer que je vous fais gagner 100 boules plutôt que de faire un tuto, parce que ça fait plaisir quand même. Donc, vous avez une semaine pour participer. Tirage au sort le mercredi d'après, tout simplement. Enfin, non, le vendredi d'après, parce que le mercredi, je serai pas là. Et je peux pas le faire à l'avance, le tirage, parce qu'il faut vraiment le faire le jour même. Du coup, ce sera le vendredi d'après. Et voilà, du coup vous avez une semaine et demie, c'est plutôt pas mal. Donc allez-y, foncez sur la publi là tout de suite, parce que ça vient de sortir. Et mec, t'as vu l'environnement comme il est sombre là autour de moi, on dirait que je suis un maître obscur de la secte. Non bref, va vraiment falloir que je me tire, parce qu'il y a une vidéo d'Urbex qui va sortir. Elle sort je ne sais pas quand, elle va être pas mal avec des potes, et là je dois la tourner à 15h, je dois les rejoindre. Il est exactement... Putain, il est 13h02, faut que je me prépare, que je fasse tout. Donc je vais me tirer tout de suite. Continue à commander sur Unleaded. Parce que... Il va y avoir des trucs très cool qui vont arriver. Parce que là on est en période de test avec Unleaded, on n'est pas vraiment en vrai collab, tu vois. Genre on est le code promo et tout. La période de test elle se finit fin mai. Donc si vous continuez d'être chaud, putain, les gars, il va y avoir des trucs de... Je dis pas parce que je sais pas si j'ai le droit de le dire, tu vois. Mais on va faire des trucs pas mal. On va faire des trucs cool. Du coup, vas-y, continue. Ben, c'est l'Elon 5 sur Unleaded, tu vois. Et ça fait plaisir. Pendant cette fois, on a pu se commander des petites pièces. Florentin, il va recevoir quelques pegs et tout. Enfin, bon, faut bien qu'on fasse nos petites courses au bout d'un moment, tu vois, quand même. On va pas tout se ruiner à chaque fois. Mais franchement, ça fait plaisir. Vous étiez beaucoup à commander. Merci de votre confiance. Merci de votre soutien. Et je vous dis à la prochaine pour un petit vlog ou je sais pas. Allez, salut!